Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Dishonored. J'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Tab. Alors, objectif, qu'est-ce que je fais avec lui? Enquêter sur le prisonnier qui semble être un ancien associé de Himsh. Facultatif, retrouver votre lieutenant sur le toit pour obtenir son rapport et des informations supplémentaires. Mais je fais quoi avec toi? Bon, bah, il faut juste que j'aille la voir. Peut-être un peu dangereux. Ok. J'ai entendu que Morus s'est fait. Par les superviseurs pour des histoires de magie noire. J'ai besoin de rien. Vincent, tout va bien. Comme ça. Ensuite. Comme ça. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, toi? Enfin, qu'est-ce que tu voulais me dire? Billy! Non, je pose ça là. Billy! J'espère que son agonie sera lente. Ok. Tu dors les yeux ouverts. Ok. Tu restes là, hein. De toute façon, t'as pas beaucoup d'endroits où aller. T'es un petit peu sur le toit. Non! Allons voir ce prisonnier. Vous êtes d'autres. Pourquoi t'es masqué? trompes. Vous Oui, ne tu te seriez trompes. pas là à moins d'en avoir après Arnold Timsh. Que voulez-vous? Me venger. Infliger à Timsh ce qu'il m'a fait subir. Je veux le voir à la rue. Victime d'un de ses propres avis d'expulsion. J'en ai préparé un, complété par la fausse signature du Lord Régent. Cool. Claude, allez dans mes anciens quartiers. À côté du manoir de Timsh. Voici l'adresse. Même si je doute que vous puissiez entrer par la rue. Bon, c'est pas très grave. Vous y trouverez mon journal. Il détaille mon plan tout entier. Et tout ce dont vous aurez besoin. Je vous Ok. dédommagerai, cela va sans dire. J'ai été moi aussi un homme d'affaires. Si vous allez chez moi, vous y trouverez quelque chose d'intéressant. Disons que c'est votre paiement anticipé. Ok. Oh bah cool. Je pourrais le tuer tout de suite, remarquez, ça irait plus vite. Mais je veux quand même voir tout ce que ce DLC a à offrir. Du moins un maximum. Boing. 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 Putain, c'est un vrai lapin en fait. Oui. Oui. Putain. Qu'est-ce que je dois faire ici du coup? Là. Hop, hop. Merde, désolé. Le bouton. Il y a une rune quelque part. Je l'entends, mais je la vois pas. Mais attendez. Ah, bah elle est là. J. On peut améliorer l'œil du vide qui permet de voir dans le noir et moi, j'aimerais bien améliorer le clignement, mais c'est 4 quoi. Devance. Oui. Voilà. Dos de le lapin. Exactement. Hop.
Remplacement du testament. Ah oui, il fallait que je trouve un testament, c'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un truc. Un machin. Un bidule. Ah, ça doit être la récompense. Sac nauséabond. Celui-ci est né. Quoi? 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 Qu'est-ce que quoi? Note. Celui-ci est né dans une famille fortunée. Il vivait à la campagne, car c'était le seul endroit où il pouvait voir les étoiles la nuit. N'ayant jamais reçu d'éducation, il ne savait pas ce qu'elles étaient. Il leur offrait ses prières. Est-ce que ce sac contient un gamin? Là, il y a un truc. Ça marche. Je me demandais. Il sent quelque chose? La chair morte? Les fleurs sauvages? Ah, il se demande ce que sent le... Qu'est-ce qu'il attend pour me parler? Une dernière leçon. Il se demande s'il sent quelque chose. Du passé. Timch excellait dans l'art d'identifier les faiblesses de l'ennemi, mais il n'a pas su cerner des... L'œil du vide va t'aider à voir les trucs actifs, comme l'argent et des dangers. Ouais, mais c'est pas trop grave, remarque. Il reste une mission après celle-là. Je vois en tout lieu. Il y a rien dans ce DLC. Tout temps. Donc, et aujourd'hui, c'est pas plus important que ça. Marche sur un fil au-dessus d'une mer de sang et d'immondices. L'impératrice est morte. En plus, d'un point de vue technique, j'ai fini Dishonored normal avec ainsi, surtout le pouvoir du blink et ralentir le temps, quoi. Donc, étonnant pour un homme, ça devrait pas être très compliqué de faire avec aussi peu de pouvoir celui-là. L'impératrice t'a-t-elle changé? Où espères-tu échapper au sort qui t'attend? Dépêche-toi, tu n'as plus beaucoup de fil. Vous étiez avec lui. J'espère que c'était instructif. Pourquoi quand tu parles, tu bouges la main? Est-ce que tu crois dans le Muppet Show? Tu crois que tu as une marionnette au bout de la main? Alors, bref. Hein? Wow! Hey, on se calme! Pourquoi vous m'en voulez? En plus, je suis sur un balcon. T'as rien entendu. Les pouvoirs vont être transférés dans le DLC suivant. Ah bon? Mais je suis sûr que j'y arriverai malgré tout. Je ne resterai pas. Ouais. Ça n'a pas marché. Et où la dernière sauvegarde? Là. Ok, ça va. Regardons par la serrure avant d'y aller. Bah, tout va bien. Je vais vous faire sortir. Non! Merde! Je croyais que la porte était ouverte dans l'autre sens, c'est que je les voyais juste pas sortir. F9? Hop. Je sais que vous êtes là. Non. Putain, mais merde! Je vais vous trouver. Je dois aller à cette conduite d'air à la con là-bas en bas. C'est juste une petite remarque. Ok, merci pour la remarque.
C'est par là ? Oui, voilà, hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Une bourse. Là-dedans ? Étrange. Timch ne s'est pas nommé bénéficiaire du testament. Il cède tous les rites. Là. J'entends ? Une rune ? Ah, mais ils sont au-dessus. On s'en fout. Bon, la conduite d'air. Comment je l'atteins, cette conduite d'air? C'est bizarre, le mec. C'est par là? Non. Ça doit être par là. Non! C'est fermé. Par là, alors. Non, ça, c'est les chiottes. C'est par où? En fait, je dois devoir passer par là, je pense. Elle est dans le sous-sol. Oui, je m'en rends bien compte, mais comment j'atteins le sous-sol? Là est la question. Ça marche. Échanger d'abord les documents, quoi. Que vais-je faire, moi ? Non, on met le sac. Voilà, puis ensuite. Ensuite, ça m'indique le maître Timch. Échanger les documents dans la bourse de Timch. Ok. Oh oh. Au. Chounet. Bah comment je t'échange les documents? Un peu. Ah oui, en effet, seulement le tuer, t'as raison. Il y a des gens qui se souviennent bien de leur DLC, hein. Bon bah... Oui. Voilà. Allez, recharge. Oui. J'ai besoin d'être discret quand je suis rapide. Comme ça, mec.
Je peux monter là-haut? Allez, laisse-moi monter. Please. D'accord, il y a un mur invisible en fait. On se réunit ce soir. Du whisky et des cigares, et il y a de bonnes chances. Quoi, t'as rien vu? Ta gueule. What the? Ta gueule. Par où j'étais arrivé, moi? Certainement par là. Dispersez-vous. Votre attention. L'assassin responsable de la mort de l'avocat Arnold Kimsch. Putain, les mecs, ils ont déjà nouvelles de la mort de l'assassin, quoi. Enfin, l'avocat. Oui, en effet, c'est par là que j'étais passé. Coucou. J'abandonne la recherche de ce rat. Cas ces missions pour venir et les, enfin pour les commencer et les terminer, c'est clairement plus intéressant que les missions de l'histoire principale. Ah oui, d'accord, c'est vrai, j'étais passé par le lampadaire. Hop. Voilà. Hop, hop. Votre attention. L'assassin responsable de la mort de l'avocat Arnold Timsch rôde toujours dans ce lieu. Alertez immédiatement la garde si vous voyez cet individu. On est bon. C'est le GG. Votre oncle est mort. Voici son testament, comme convenu. Il est mort. Je suis coupable, n'est-ce pas? Quelle étrange sensation. Pas aussi étrange que de regarder quelqu'un avec un nez aussi tordu, quoi. Soit. Mon oncle était sous le charme de Delilah. Elle l'obsédait même. Ils savent pas que c'est Dodd qui a tué Timsch. Ils ont dit son... Elle était peintre, son identité est inconnue. Un rang social bien inférieur. Mais ils savent que Timsch est mort. Mon oncle est tombé amoureux d'elle. Ils ont très vite trouvé son corps. Et laissait les bougies allumées la nuit. Il avait peur du noir. Une nuit, nous sommes allés chez Waverly Boyle pour une séance occulte. Nous pensions nous distraire. Nous ne savions pas ce que nous faisions. En principe, seuls les morts peuvent être appelés. Mais soudain, Delilah est apparue dans la pièce. Mon oncle faillit mourir de frayeur. Mais c'est qui, Delilah? Elle était là, c'était troublant. C'était comme si elle se tenait très loin, au milieu du vieux manoir Brigmore, devant un chevalet peignant un nom. Votre nom d'Aude. Ok. Je n'en sais pas plus. C'est sûr qu'elle voulait J'espère pas écrire Dead en fait. Et du coup, de loin, t'as mal vu, puis c'était écrit Dode. Non? Ok. Voilà pour notre cher avocat. Il l'avait cherché. Les hommes comme lui finissent seuls. Sa propre nièce l'a trahi. Êtes-vous prêt à partir? Toujours. Allons-y. J'ai tué deux ennemis, ah bon? Oh, encore des gens qui sont tombés. Arrêtez de tomber dans le vide.
Vieille est une puissante sorcière à la tête d'une assemblée. Ah, d'accord, donc c'est les sorcières de Brigmawr. Enfin, c'est. Ouais. Ok. Jessamine Caldwin était la seule à pouvoir rassembler cette ville. Sans elle, la ville n'était plus qu'un vaste chaos de gardes, de superviseurs, de nobles, de géniards. Peut-être était-ce le monde que l'Outsider avait toujours essayé de me montrer. Depuis des années, je veillais sur un vague ramassis d'anciens mercenaires, d'orphelins et de réfugiés. Avec fermeté et un brin de magie noire, en marge d'une ville sans pitié pour les innocents et les faibles. Ce monde allait peut-être s'écrouler aujourd'hui. J'ai revu Jessamine Caldwin agoniser, ses derniers instants de vie. Quoi qu'il puisse arriver, je le méritais, mais pas mes protégés. C'est elle, Billy. Alors. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration? La portée de l'arbalète, réserve de poudre incapacitante. Qu'est-ce que je peux demander comme faveur? Aucune. Pas le problème. La portée. Parfait. Let's go! Commence la mission. Ouh, c'est joli. On s'est fait attaquer. Les superviseurs saccagent la base. Ils vous cherchent. Ils ont capturé plusieurs de nos hommes et leur chef occupe actuellement vos appartements. T'as vraiment une stature d'homme, hein, pour une femme. Pour reprendre le dessus. Après, peut-être que t'es juste un mec avec une voyou. Ces fumiers s'y sont pris. Non, il dit elle, donc tu es une fille. Mais bon, c'est une tenue en tissu, ça devrait mouler un peu plus, c'est pas une armure, quoi. Ah, j'ai glissé. Ah oui, mais là c'est le repère de Dawn en fait. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? En effet, je le pense. Et agi prématurément. Attention, t'es pas fait pour nous protéger à tous les deux. Tu t'es fait des moyens. Ah. Non, c'est plus Corvo, là on joue Dawn. C'est le DLC justement. Le couteau de Dunwall. Enfin la lame de Dunwall. Ouais, je vais peut-être améliorer ça du coup. Ça va être tellement la merde. Non, vous êtes morts, les potes. Les nouvelles recrues sont aussi faibles que les précédentes. Heureusement qu'ils sont cons. Il a son compte. On n'a plus à se soucier de lui. Oui. C'est sûrement des rats. Dodo, toi. Fais dodo toi aussi. Va dormir avec ton pote. Ça va mal. La
ville pourrait-elle être dans un pire état ? N'en ai jamais douté. N'en ai jamais douté. Jeu d'acteur sur 20. Monsieur, je dois vous dire, les hommes sont inquiets. Les prisonniers sont sous contrôle, mais les interrogatoires sont perturbants. Ceux qui parlent sont pires que ceux qui se taisent. Et toujours aucun signe de Dode. Putain, il y a du monde. Il viendra. Rappelez-leur qu'ils sont des superviseurs de l'abbaye. Pas du tout ce que je voulais faire. Depuis des années. Oui, oui, seulement cet endroit empeste la mort. Mais vous avez raison, bien sûr. Dites-leur que nous attendrons le temps qu'il faudra. Et... ça vaut peut-être le coup de vérifier. Non mais vous avez pas entendu ça, quoi. Avoir mémorisé la litanie. Attends. C'est vous qui l'avez laissé. Je pensais que vos victimes ne vous voyaient jamais. Encore un vide qui s'est passé. Ah bah merci d'être venu m'aider, toi. Assassin. Je vais dire. Aïe! Heureusement qu'il est venu m'aider. Donc. Qu'est-ce que je fais de toi ? Est-ce que je dois te tuer ? Alors... repousser l'offensive des superviseurs, récupérer les plans d'assaut dans la base des superviseurs, libérer 4 assassins captifs. Ok, j'ai les plans. J'ai les plans. Maintenant, il faut juste que je libère des assassins. Ah non, ils sont là-bas. Où il est ? Merde, y'a pas de fenêtre. Bon, bon, on va sortir par là. Je peux pas. Bon, je peux les tuer. Non, pourquoi les tuer ? Oh là, tu t'es tué tout seul. Tu... es-tu sauvé ? C'est bon. Est-ce que je peux aller là-dessus ? Oui ! Non mais vous me voyez pas. Ils me voient. Ils me voient tous. Dodo, putain. Merci. Bon, maintenant faut sauver les autres. Oui, vous pouvez être stun, merci. Bon, si vous cherchez vraiment à me faire chier, les mecs...
Voilà. Tuez-le s'il le faut. Aidez-moi. Oui, ben j'aimerais bien. On ne vit que pour ça. On va brûler votre corps ce soir. Je sais que vous êtes là. Tu peux te barrer ? Merci. Attendez, quelqu'un est à terre. Montrez-vous. Encore. Quelqu'un va payer pour ça. Attendez, quelqu'un est à terre. Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Je sais que vous êtes là. Bon bah tout va bien, hein. On est tranquille là. Heureusement que les plans d'assaut ne sont pas du tout gardés. Le quartier inondé. Et les superviseurs n'ont pas respecté le plan. Quelqu'un a dû les avertir. Y'a un truc. Y'a un truc. Là. Il n'y a plus que le dernier. Et j'étais pas censé en libérer 4. J'en ai libéré que 2 là. Puis ça va faire un troisième. Peut-être que j'en ai libéré un sans faire exprès. Il s'est enfui. Ouais, non, je peux pas l'atteindre autrement qu'en passant par là. La merde. C'est tellement la merde. Le grand vide nous accueille. La gueule. Ça ira. Tu es libre. Vas-y, signal. Libre. Merci. Hop. Ah bah le dernier. Je pense que ça pose pas de problème si je tue des gens ou pas avec ce DLC. Je pense pas qu'il se serait emmerdé à mettre... Mais lâchez-moi à la fin ! Je pense pas qu'il se serait emmerdé à mettre exactement la même mécanique qu'au jeu de base dans le DLC. Si ? Oups. Tu es libre. Bah il est là mon signal, tu es libre. Le chaos peut changer quelque chose. Ah bon. Oh putain, mais ils sont chiants! Je vais faire quoi là? C'est écrit quoi l'objectif? Lancer la contre-attaque. Ah! Il faut ça. Oh, je peux pas. Et qu'il faut que je fasse ça. Votre assassin, à un mètre. Ça se voit, non?
Ils savent pas où je suis en fait. C'est bon, vous allez arrêter avec l'instrument. Please. Oh, mais faut que je fasse quoi pour qu'ils arrêtent avec ça? Nous savons tous les deux. Et ils ont arrêté. Votre assassin à 3 mètres. Bon, bah, il faut que je l'invoque, c'est ça? Non, on va juste à l'endroit marqué. D'accord, on les fait. Qu'est-ce qu'on fait? Capturez-les. Capturez-en le plus possible. Leur plan est à l'eau. Fais-moi un rapport. Nous allons interroger le capitaine ennemi pour découvrir ce qu'il sait. Dès qu'il aura repris connaissance. Les superviseurs semblent investir le quartier inondé. Ils préparent un assaut majeur contre nous. Ce Hume a négligé ses ordres et attaqué plus tôt que prévu. Nos hommes, que vous avez libérés, ont réussi à vaincre les derniers fanatiques. La base est sous notre contrôle. Comment les superviseurs nous ont-ils trouvés? C'est ma faute. J'ai révélé notre position à Delilah. Elle voulait que je vous trahisse. C'était toi. Mais c'est au-dessus de mes forces. Tu es méchante. Petite idiote. Oh shit! Tout ce que vous aviez à faire, c'était lui trancher la gorge. Il mérite mieux que ça. J'ai été stupide de vous écouter. Vous avez donc fait votre choix. Daude, je me serais délectée de la voir vous trahir. Mais d'une façon ou d'une autre, les sorcières de Brigmore seront votre fin. Vous auriez dû oublier mon nom le jour où vous l'avez entendu. Je crois que vous et moi l'avons toujours su. Que je saisirai ma chance et prendrai votre place. Mais j'ai agi trop vite. Vous étiez moins faible que je le pensais. T'as une sale gueule, en fait, là. Je regrette juste d'avoir mal choisi. Sur la cinématique, t'étais moins moche. Delilah avait des liens avec les superviseurs. Je pensais... qu'en combinant nos forces, nous pourrions vous tuer. Ces imbéciles ont tout caché. Le superviseur Hume a attaqué trop vite. Ma vie est entre vos mains. Tuez-moi, ou laissez-moi vivre. Si cela a encore une valeur à vos yeux. Touchant et pathétique. Si je vous revois un jour, j'arracherai vos cœurs de pierre avant de vous écorcher vif. Pourquoi tu le fais pas maintenant ? Je l'épargne, écoute. T'as droit à deux chances. Je te pardonne. Je te déçois pas. Fiche le camp. Quitte la ville. Hors de ma vue, Millie. Ah non, je voulais pas la laisser partir. Je voulais la garder, moi. Oui. D'accord. Quand Millie Lurk avait 8 ans, elle rêvait d'être capitaine de navire. Mais dès votre première rencontre, elle a voulu devenir un assassin. Elle t'a observé, elle a appris, et quand elle a commencé à te voir décliner, elle a décidé de te remplacer. Et maintenant, elle essaie péniblement de s'échapper de la ville. Elle va payer un contrebandier pour passer la zone de quarantaine. Elle se surveillera un temps à l'affût d'un signe d'infection. Peu à peu, la peur et le chagrin de Dunwall qui s'insinuaient dans tout ton être se dissiperont. Et elle trouvera un nouveau nom et un nouvel usage à ses talents. Même si Dunwall est réduite en cendres, ce recoin de l'Empire n'oubliera jamais ton histoire. Daude, l'homme qui a tué une impératrice. Daude, qui a épargné celle qui l'a trahi. Non, ce DLC introduit au deuxième DLC, et le deuxième DLC, je sais pas à quoi il introduit. On verra. Et voilà, c'était la fin du DLC, la lame de Dunwall. Qui était très court. Qui instaurait des nouveaux ennemis que j'ai même pas
fais attention à combattre. Des nouveaux pouvoirs qui étaient plutôt fun. Et d'après ce que j'ai lu de monsieur Haven Teleron, je sais pas comment se lit ton pseudo. On va de nouveau jouer d'autres pour les sorcières de Brigmore. Et ça va être bien. Parce que du coup, on aura les mêmes pouvoirs. Ils sont pas trop mal. Et les mecs, ils me mettent un générique de fin à un DLC, quoi. Bon, la qualité sonore, par contre, est dégueulasse. C'est vraiment immonde, là. Bon, je peux le passer? Ouais, voilà. Il n'y avait rien de toute façon, c'était juste ça. Bon, on retourne au menu principal. J'arrête l'enregistrement.